croiseur Gloire, l'une des plus belles unités de la flotte, le général Guillaume vogue vers la terre marocaine. Appelé par le gouvernement français à succéder au général Juin comme résident général au Maroc, il a accepté par ces mots. Appelé à l'honneur de représenter la France au Maroc, j'ai conscience de l'ampleur et de la difficulté de cette mission. Si je l'ai accepté, c'est que, assuré de la confiance du gouvernement de la République, je sais pouvoir compter sur le concours de l'immense majorité de la population marocaine. Le Maroc, auquel j'ai consacré 20 années de ma vie, est devenu pour moi une seconde patrie. Ma seule ambition est de développer, dans l'ordre et dans la paix, l'œuvre franco-marocaine dont la France porte aux yeux du monde la responsabilité. Et parti par la porte de la mer, il arrive le soir à Safi, où l'attend toute une population vibrante. C'est à elle qu'il s'adresse pour lancer son grand message d'union. Aujourd'hui, à Safi, comme au cours de mes visites dans toutes les grandes villes du Maroc, je constate que toutes les affirmations lancées de l'extérieur contre l'œuvre franco-marocaine ne sont que calomnies. Pour les détruire, je ne cesserai de prêcher la croisade de la vérité contre le mensonge. Je prêcherai en même temps la croisade de l'union, car l'union, c'est la force, la désunion, c'est la faiblesse.